Good morgen, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Esther, Bat Miriam, Rosette, Zohara, Bat Sultana et Maurice Moshe, Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Maserhet Eruvin Perek Zain Mishnavav. Keitzad Mishtatfin Bemavoy. Maniach et Echavit, Veomer, Arezo Lechol Bene Hamavoy. Ou Mezakel Aen Alede Beno ou Bito Hagdolim. Valede Avdo Veshifratora Ivrim. ולידי אשתו, אבל אינו מזכה לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, מפני שידן כידו. On commence à partir de notre Mishnah à préciser concrètement comment faire le Hérouv. Jusqu'à maintenant, on parlait des conditions, des voisins, qui doit s'associer. Maintenant, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce que doit contenir ce Hérouv. Quelle quantité de nourriture, comment est-ce qu'on la donne aux autres voisins, comme ce qu'on va découvrir tout de suite. On va commencer par traduire la Mishnah, on expliquera ensuite. Keitzad mishtatfin mebe mavoy. Comment concrètement on va s'associer dans le mavoy? Pour rappel, attention, le mavoy à distinguer du Eruv Chatzerot. On en reparlera un petit peu plus du Eruv Chatzerot ensuite. Du Reshut Arabim, la voie publique, il y a une première impasse, c'est le mavoy. Dans le Mavoy sont ouvertes plusieurs cours qui sont partagées en copropriété. D'accord? Le Mavoy, donc, c'est la grande impasse. Et pour la prélever, alors là, on avait déjà évoqué le sujet déjà plus haut, en fait. Que pour pouvoir faire le Hérouv dans le Mavoy, s'associer dans le Mavoy, alors on n'est pas obligé de donner du pain. On peut aussi, maniach et echavit, on peut aussi poser un tonneau de vin, avec du vin, on ne peut pas faire le Hérouv. Chitoufé mes voot. Par rapport au Chatzerot, il faut mettre nécessairement du pain. Ça, on l'avait déjà évoqué plus haut. Et maintenant, la Mishnah m'enseigne. Maniach et Echavit, donc il faut poser le tonneau. On amène un tonneau. Veomer, et il dit Areizo lechol bene mavoy. Je le donne en guise de tous les autres voisins du mavoy de l'impasse. On est. Il y a au total 20 habitants qui donnent dans cette impasse, séparés en 5-6 cours. Alors, je paye moi le pot à tout le monde en fait. C'est moi qui vais payer le tonneau pour tout le monde. Mais quoi? Mais à quelle haine alliédé Beno ou Bito Agdolim et le fera acte d'acquisition en leur faveur par l'intermédiaire de son fils ou de sa fille qui sont grands, alliédé Avdo Veshifrato à Ivrim ou encore avec son esclave ou sa servante juif, alliédé Ishto et ou par l'intermédiaire de sa femme aussi, aval enomezake lo aliede beno bito actanim, il ne pourra pas faire l'acte d'acquisition, ni avec son fils ou sa fille qui sont encore petits, velo aliede avdo veshifrato aknanim, et ni avec son esclave ou sa servante qui goy, donc les knanim, evet knani, il a un statut différent, mi penei sheyadan keyado, car leur main est comme sa main. Et on explique, on est dans des notions de Roshen Mishpat avec des petites nuances. Roshen Mishpat, c'est l'excellent Shulchan Aruch qui parle des lois de différents d'argent. Une halakha d'abord essentielle. N'importe quelle acquisition s'achève, se conclut par un acte d'acquisition. C'est-à-dire, si je parle que je vais te vendre ce livre et oui, tu vas me donner de l'argent. Chaque kinyan, il se conclut lorsqu'on a fait un acte d'acquisition et il y a des halakhot bien longues qu'on avait appris dans Nézikin, dans le Seder Nézikin, comment procéder à l'acte d'acquisition pour chaque chose. Il y a un acte d'acquisition pour un karka, pour des métaltélines, des biens mobiliers, des biens immobiliers, chacun il a ses règles. Pour acquérir un livre, par exemple, il va falloir lui faire agba. Si je veux vous le donner, je vais devoir vous le donner, et vous allez le saisir en l'air, ça s'appelle que vous... Alors maintenant, vous l'avez acquis. Dès lors, vous ne pourrez plus vous rétracter, même si vous n'avez pas encore payé. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous pourrez vous rétracter. Et même si, par exemple, vous m'avez payé le livre, finalement, j'ai pris l'argent, et je veux vous le... Et donc je suis censé vous le donner, finalement, je regrette, et je dis non, allez, je le garde, vous ne l'avez pas acquis le livre quand vous m'avez donné l'argent. Parce que Ma'ot enan konot min haTorah, ça on l'avait appris dans Baba Metzia, on ne va pas parler de ça tout de suite. Baba Metzia, Perek Dalet, Perek Dalet, Mishnah Aleph, non, Perek Chamishin, Mishnah Aleph, Perek Dalet. Azav Konote Kesef, et voilà. Ça, c'est pour donc faire un acte d'acquisition. Maintenant, l'acte d'acquisition, il y a des halakhot aussi, je dois vous le donner, vous devez le saisir, vous devez l'acquérir.
Maintenant, si vous n'êtes pas présent pour l'acquérir, je peux même désigner quelqu'un d'autre qui va faire l'acquisition à votre place. En guise de chaliar, c'est un peu plus perfectionné qu'un chaliar, qu'un émissaire, un chaliar, un envoyé. C'est un zoché. C'est quelqu'un qui va acquérir en votre faveur, même si vous n'êtes pas au courant qu'il est en train de faire cette acquisition pour vous. À savoir, donc, c'est une grande règle en rapport avec les Crottes Shabbat, par exemple. On l'a rapporté il n'y a pas longtemps. Si par exemple je vous achète un cadeau à Shabbat, un cadeau pour votre anniversaire, on va le célébrer pendant Shabbat, et je veux vous donner ce livre en cadeau à Shabbat. Mais je ne pourrais pas vous le donner pendant Shabbat, à Shabbat on n'a pas le droit de faire un cadeau. Mais j'ai une possibilité de vous le faire, malgré tout. Comment je fais? Avant l'entrée de Shabbat. Je vais voir mon voisin, et je lui dis, écoute, ce cadeau-là, ce livre-là, je le donne à vous, Réhouven, pour votre anniversaire des 75 ans. Donc du coup, il va prendre le mon voisin va prendre le livre, il dit, je l'acquiers pour Réhouven. Dès lors, c'est plus mon livre, c'est devenu le vôtre. Et là, j'ai le droit de vous le donner pendant Shabbat, parce que maintenant, j'ai fait un acte d'acquisition par un intermédiaire. D'accord? Ça, c'est une règle générale par rapport au Kinyanim. En rapport maintenant avec le Hérouv, eh bien, on y arrive tout de suite. Chacun doit cotiser pour le Hérouv ou pour le Chitoufé Mévohot. Chacun doit s'associer. Donc, en théorie, je prends un tonneau, il faut que chacun y donne. On verra quelle quantité exactement dans la Mishnah Chet, Bezrat Hashem, combien est-ce qu'il faut donner. Mais chacun doit donner un révite de vin, par exemple, ou un peu plus, je sais pas. Donc, du coup, maintenant, moi j'ai un tonneau avec 350 litres. J'ai de quoi payer mon pot à tout le monde. C'est mon tonneau, mais c'est pas grave, ça m'arrange. Comme ça, on va pouvoir porter dans la rue. Alors maintenant, chacun il doit donner son vin. Moi, c'est moi le propriétaire des 300 litres de vin. Qu'est-ce que je fais? J'amène quelqu'un et je lui dis, vas-y, acquiert et soulève le tonneau. Et tu acquiers un révite pour lui, un révite pour lui, un révite pour chacun, un révite à chacun des voisins. Par exemple, s'il faut un révite, je m'avance trop tôt en disant un révite, je suis pas sûr de mon coup exactement. Supposons que c'est un révite. Ouais, je crois que dans la grammaire, il dit que c'est un révite. Donc, un révite pour chacun, et comme ça, il acquiert le tonneau. Maintenant, chacun de vous, qui sont tous associés, qui sont tous présents, qui habitent tous dans ce mavoï, dans cette impasse, ils ont tous acquis un révite. Comme ça, on va pouvoir s'associer. Ok? Maintenant, la Mishnah va partir encore plus loin, en me faisant entrer dans un sujet assez délicat dans le prochain Mishpat, mais que là, avec des petites règles un petit peu plus nuancées, qui vont pouvoir, pardon, je vais pouvoir utiliser même les gens qui sont proches de moi. Chose qui n'est pas toujours admise dans le prochain Mishpat, il y a des règles, et la Mishnah vient et me dit, bah, tu sais quoi, tu peux prendre même ton fils ou ta fille, mais s'ils sont adultes. Ils sont grands, ça veut dire qu'ils ont passé leur majorité religieuse, ils ont du da'at. Parce que sinon, ils sont petits, la Mishnah, après, elle les invalide, elle dit, pas quand ils sont encore petits, ils n'ont pas de da'at. D'accord? Je ne vais pas entrer dans trop de détails pour comparer avec une autre Mishnah qui se trouve dans Baba Metzia, où il y a un peu les mêmes principes, mais avec des données un peu plus nuancées. Là, la Mishnah me dit, dès qu'il est adulte, tu l'utilises, tu peux faire le kinyan avec lui. Mais s'il est encore enfant, tu ne peux pas faire le kinyan avec lui, si c'est ton propre fils. Pourquoi? Parce que Yadok et Yadra. C'est le dernier mot de la Mishnah chez Yadan, quand leur main, c'est comme sa main à lui. Soit, moi, je ne peux pas décider que je vais vous faire ce cadeau en disant je l'acquiers. Parce que un acte d'acquisition, ça implique de faire sortir l'objet de ma propriété vers une autre propriété. L'autre propriété, même si ce n'est pas vous directement, c'est quelqu'un qui peut vous symboliser. D'accord? Vous représenter. Mais il faut au moins qu'il y ait un corps étranger à moi. Mais si je prends de ma main droite et je mets ma main gauche, ça sert à rien. Et la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, ton fils, c'est un peu comme ta main droite ou ta main gauche. Tu es passé d'une main à l'autre. Il n'y a pas ici, tu n'as pas fait sortir de ta propriété. Ça, c'est quand il est petit. Mais quand il est grand, alors ça va être question de ta propriété, même si on parle de ton fils qui habite chez toi à la maison, qui vit sur ton compte, qui n'est pas exact. D'accord? On va pas plus approfondir sur ça. Et à part ça, autre chose encore, même ta femme. Bien qu'en théorie, ce qu'elle acquiert la femme, eh ben, c'est le mari qui est en proposition. Donc on aurait pu croire que la main de la femme, c'est pas exactement la même. Finalement, c'est la main gauche du mari. Eh ben non, réponse, c'est pas exactement la main gauche. Elle a un statut un petit peu intermédiaire et que tu peux l'utiliser pour faire une sriya pour quelqu'un d'autre. Il y a un autre sociotope qui compare ça avec Dalro de Nidarim. Et voilà. Et ton esclave. Alors là, on arrive à l'esclave. Il y a une grande différence entre un Eved Ivri et un Eved Knani. Eved Ivri, c'est un esclave juif qui se vend en esclave, il a un statut que, certes,
qu'il va produire, ça m'appartient à moi. Mais il a quand même un. Il est moins considéré comme ma propriété. Même si, concrètement, c'est vrai que ce qu'il va produire, ça m'appartiendra. Mais je peux l'utiliser. Il peut avoir quand même, il peut avoir un compte indépendant de moi, en fait. Ça le redouche. Puisqu'il peut avoir un compte indépendant de moi, il peut avoir quand même des biens qui. Pas tout ce qu'il a m'appartiendra. Les choses qu'il avait, ça lui appartient à lui, ça appartient pas à moi. À la différence du Eved Knaani, l'esclave Goy, quand je l'ai acheté, on a fait le Brit Mila, on l'a trempé au Mikvé, il est devenu maintenant, il a un statut d'esclave. Il appartient au peuple juif, il a imposé des mitzvot comme, même titre qu'une femme, mitzvot asséché, lo azman grama. Et tous les interdits de la loi, il est concerné. Malgré tout, il est considéré comme un bien à moi, il n'a aucune propriété, l'esclave Goy que j'ai acheté Goy. D'accord? Il n'a aucune propriété personnelle. Donc du coup, c'est vraiment ma main droite ou ma main gauche. Donc je ne peux pas faire une exécution pour son intermédiaire. Par rapport au évêque d'Ivry, où il a la possibilité d'avoir des choses qui lui appartiennent à lui. Donc dans ce cas-là, il y a ici quelqu'un qui représente un domaine externe à moi. Je peux lui donner pour qu'il fasse un acte d'acquisition pour une tierce personne. Et voilà, on a tout expliqué à la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov. Salam.